Un jour comme un autre, en ville, tout était normal. Tout à voir. Bon, on a tout le matériel pour mettre la statue de la liberté sur orbite. C'est génial, on va libérer la petite chérie des lois de la pesanteur. Godfred est en route, la petite chérie, comme tu dis, va tellement s'éclater qu'on en trouvera des morceaux jusqu'en Alaska. J'ai tout entendu. Toujours aussi efficace, le vieux coup de la palissade. Si je veux trouver ce Godfred, je vais devoir suivre ces deux-là. Je vais réquisitionner la première voiture qui passera. Et justement... Avec ce déguisement de Saint-Pierre et cette perceuse, c'est comme si j'avais à la fois la clé du paradis et de cette voiture. J'aurais peut-être dû demander la permission à son propriétaire, mais je suis un saint malsain. Du 10 ans au chenil fédéral. Morsure et agression d'un agent dans l'exercice de ses fonctions. C'est du sérieux. Ainsi morte, vous pensez avoir surpris des terroristes. Exact, monsieur, je les ai entendus comme je vous entends. Et quelles sont au juste leurs visées, s'en prendre au fondement de notre société? Si c'est ça, ça va tourner à la pantalonnade. Sérieusement, c'est un gros coup. Quelque chose d'important comme une boîte aux lettres. Pire que ça. Hors de mots, monsieur, il compte faire sauter rien moins que la statue de la liberté. Je le savais, un jour ou l'autre cela devait arriver. Le spectre de la terreur est à nos portes. Et c'est à nous qu'il revient d'endiguer la menace anarchiste. À travers cette statue, c'est l'essence même de la liberté que vous allez devoir défendre. Génial, un voyage sur l'île enchanteresse de Madagascar. Et moi, ça fait des années que je rêve de visiter Hong Kong. Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez vous rendre à Hong Kong ou Madagascar? Eh bien monsieur, le fait que la liberté n'ait pas de frontières. Pas plus que votre stupidité. Bon, voyons. Je vais vous montrer où se trouve New York. Bande de crétins! Ils ont déjà du mal à trouver les toilettes. C'est bon, maintenant j'ai la bosse de la géo. Mon crâne! Mais pourquoi New York? Parce que c'est là qu'est la statue de la liberté, état de paralysie du bulbe rachidien. Et c'est là que vous allez, mais vous ne serez pas seul. À New York, un agent se doit de montrer un peu de classe. Une présence féminine raffinée ne sera pas de trop. Sally, les gars! Tout est arrangé, les enfants. Ophélia et son charme X qui vous accompagnent. Non! Quel que soit le prix à payer, vous devez empêcher ces terroristes de s'en prendre à la statue, c'est bien compris? Oui, chef, une fois à New York, je ne lâche pas ces deux-là des yeux. Non, merci, monsieur, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait du tas de graisse ambulant? Ça, aucune idée, chef. Oh! D'où j'ai su? Quoi? On file! Ah, mais où sont-ils? Attendez-moi, je fais un peu de lèche-pistrie. Cachez-vous là, je vais me déguiser. Où êtes-vous, Martichou, mon petit roudoudou? Où êtes-vous passé, mon Martichou? Chef, et mon déguisement de puce a fonctionné, ça me démangeait de l'essayer. Il est assorti à la taille de votre cerveau. Bon, allez, tirez-moi de là. Eh ben non, chef, où est-ce que vous êtes? C'est vrai qu'il faut des trous pour faire un monde. Chef! Mais c'est pas vrai. On est à peine au début de l'histoire et j'ai déjà touché le fond. Oh, mais où sont-on passés ces deux garnements? Le chef, elle arrive! Quoi? Qui arrive? Entrez là-dedans. Moi, je vais enfiler mon déguisement de dromadaire et... Laissez-moi sortir! Chut! Du calme, chef, la voilà! Non, oh, un peu de calme, chef! Sinon, on va se faire piquer! Oh, morte, que d'attention! Envoyez votre patron m'offrir ces délicieux cactus! L'idée venait de lui! Dépêchons, on doit se rendre à l'aéroport! Absolument, chef! Oh, savez-vous que j'adore ça, là! Alors espérons que la réciproque soit vraie! D'où Jésus, n'est-ce pas stupéfiant qu'une chose aussi énorme réussisse à prendre son envol? Ne laissez pas la grosse blonde à l'arrière! Je voulais dire, vous seriez mis au milieu, mademoiselle! Je préfère ça, quelle toupée! Nous volons à 10 000 mètres, tout va bien! Hôtesse, où sont les toilettes? À l'avant, madame. Merci! Veuillez dire à la baleine de retourner à sa place. Merci.
Nous allons atterrir à New York. Veuillez attacher vos ceintures et ligoter l'excédent de poids au centre de l'appareil. Excédent de poids? Jamais on m'a traité ainsi, vous n'êtes qu'un goujat! Peut-être, mais au moins comme ça, j'ai une chance de rester un goujat vivant. Oh, non, Jésus, où suis-je? Oh, ça me revient à New York. Allons vite réveiller les garçons. Debout, morte, on a une mission. Retrouver les terroristes. Les garçons! Bah! Ils sont sûrement debout depuis des heures. Je vais aller tapoter à leur porte. Aïe, 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 aïe! Hey, c'est pas vrai, ça vous amuse de terroriser les gens? J'ai bien failli me couper une oreille, moi. Je vais attendre que vous soyez habillés, vous me retrouverez en bas. Mort ne veut probablement pas que je le voie au saut du lit. Ophélia est déjà sur le sentier de la guerre. Évite de mentionner son nom. Chef, un espion. Mais il ne s'en tirera pas comme ça, chef. Je vais bondir à sa poursuite. Mort, calmez-vous, nous sommes dans un des plus hauts gratte-ciel de la ville. Et notre chambre est au 78e étage. Oh, 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 j'ai peur que ma carrière ne soit en chute libre. Oh, mon morti chéri, mon roudoudou, il était si impatient de me retrouver qu'il n'a même pas voulu prendre l'ascenseur. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, je vous en prie, morte, lâchez-moi! Mais où est-ce qu'ils sont? Les voilà, c'est eux. On voit pas beaucoup de moines par ici, vous venez du Tibet peut-être. Désolée madame, mais j'ai fait vœu de silence, surtout avec les personnes de plus de 80 ans. Oh! Arrêtez de faire le clown et enfilez ça, nous sommes en mission. Mais ce n'est pas ma faute. En fait, où est Ophélia? Au secours! Au secours, sortez-moi de là! Bon, allez, assez rigolé. Si on veut retrouver ces terroristes, on va devoir traîner dans les bas-fonds. Une crêpe aux épinards bien épaisse, le style brique. Et une salade de tomates avec un coup de chapeau pour les poivrons. Eh ben, dis donc, l'air de rien, elle sait comment leur parler. Eh oui, mon chou, faut savoir être dessalé. Vous voyez, il comprend très bien. Mais qu'est-ce que vous avez dit? C'est le langage de la rue, Phil, vous n'êtes pas branché. Voilà la traduction. Alors, une brique aux épinards, un chapeau poivron, tomate et du gâteau à la morue dessalée. Eh bien... Alors, c'est ça le langage de la rue? Ah oui, en gros. Et oh! C'est comme ça que les durs parlaient chez moi. Remarquez, des durs, il n'y en avait que deux. Mais pour être des durs, c'était des durs. Bon, allez, on oublie. Il faut trouver une voiture pour aller voir du côté de la statue. Justement, en voilà une. Je vais user d'un de mes meilleurs déguisements pour faire fuir le conducteur. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est E.T. avec une paire de lunettes. Pauvre homme, il s'est évanoui! Bravo, bien joué, Morte! Une bonne giclée d'anesthésiant, ça ne rate jamais! Morte, vous lui avez chanté une berceuse? Mais chef, on n'a pas de temps à perdre! D'accord avec vous! Mais enfin, allez-y doucement avec ce pauvre homme, vous allez finir par le réveiller! Allez-y, chef, de toute façon, il ne sent rien! Franchement, je n'aime pas vos façons de faire! Oh, ça va, Miss Piggy, la morale, ça suffit! Hippopotame! Baleine! Tatsedou! Pas de voiture et Joe est-il, il a la mitraillette. Et la statue, comment s'y rend-on? Vous avez trouvé une carte? Non, rien que ce truc-là. Faites attention à ce truc, chef, soyez gentil. Ce truc n'est pas un truc, c'est une mitraillette, mais moi je le sais. C'est une quoi? Juste une bête mitraillette. Une mitraillette? Et ça, c'est une voiture de police. Mais c'était la raison, on a la police aux trousses. Rangez-vous sur le bas-côté immédiatement. Faites attention, il est dangereux, surtout ne touchez pas à ce bouton. Mais ce n'est pas un bouton. Non, ça c'est la gâchette. Et comment on fait? C'est quoi ça? Des gangsters peut-être? Quand j'étais pas Blanche-Neige, les sept là. Bah, ils vont pas s'en sortir comme ça. Ils sont toujours après nous. Prenez à droite. Et on se gèle sans le toit. Ouais, et en plus on se ramasse tous les moustiques. Vous avez lu le panneau, chef? J'ai cru lire yo-yo dessus. Ou plutôt dodo. Ah, à moins que ce soit zo. Zombie, c'est bien ça. Je viens souvent voir les éléphants. Oh, moi aussi, j'aime tellement leur démarche lente et paisible. Non, je n'arrive plus à accélérer. Il y a quelque chose qui nous ralentit, sûrement le poids mort à l'arrière. Vous savez ce qu'il vous dit, le poids mort? Saleté d'insectes, je n'arrive pas à conduire. Fermez là, ce sont pas les moustiques qui nous arrêteront. Marche arrière, on va trouver une autre sortie. Finalement, chef, vous aviez raison. C'était pas les insectes. Et où suis-je? Allez-vous tous les mains en l'air. Vous entendez les mains en l'air et vite. Tout de suite, ce gars est un voyou, il faut s'en débarrasser. On pourrait lui offrir une leçon de natation. Oui.
J'en reviendrai. Mais faites donc. Si vous avez fini de faire mumuse, on pourrait y aller. Mais attention, reculez. Waouh, Neil avait dit qu'il reviendrait. Hé, hey, vous là-haut, vous ne pourriez pas jeter vos détritus ailleurs. La voiture, comment va-t-on se rendre jusqu'à la statue? De toute façon, il est impossible d'y aller en voiture. Je croyais que vous le saviez. La statue est située sur une île juste là. Oh. Hey, je ne vous ai jamais dit qu'on pouvait y aller en voiture. Je croyais qu'on était juste parti en balade. On a perdu du temps. Attendez, je vais lui en faire perdre du poids. Un ou deux coups de hache bien placés feront l'affaire. Allez, Morte, on peut les attraper seuls, ces bandits. Filons avant que le monstre ne se réveille. Eh, c'est bon, ça marche. Elle est encore endormie. Filons avant qu'elle ne se réveille et nous gâche la journée. Oh, comme c'est gentil de regarder l'ascenseur. J'espère que je vous ai pas fait attendre. Non, pas tombé. C'est écrit 3 personnes et pas plus d'une demi-tonne, donc... La prochaine fois, on prendra les escaliers. Bon, le temps presse, il faut retrouver ces terroristes morts. Le bar de la bombe, ils doivent être là. On n'a plus qu'à entrer et jeter un coup d'œil. On risque de se faire repérer, ce qui aurait pour effet immédiat de mettre fin à nos carrières et à nos vies. Pas de problème, les garçons, j'ai une idée. Écoutez ça, je vais entrer avec l'un de vous deux, comme ça on nous prendra pour un couple d'amoureux. Oh non, les garçons, ne vous battez pas pour moi. On pourrait peut-être aller voir ailleurs. Vous avez raison. Oh. Je vous en prie, Phil, ne le prenez pas mal, mais il vaudrait mieux que ce soit mort, mon petit ami. Ça me fend le cœur. Mais si vous le dites, je croyais qu'on était amis. Non. Allez, très cher, montrons-leur ce qu'est l'amour. Amusez-vous, les tourtereaux. Eh bien, Morte, approchez-vous. Nous devons jouer notre rôle jusqu'au bout. Je n'ai que 3 petits mots à dire. Achetez un déodorant. Laissez-vous aller, nous sommes seuls. Ne soyez pas si timide. Oh, j'avais encore jamais remarqué que vous aviez la peau si douce. Oh, j'ai craqué, chef. En 2 secondes, j'étais comme un chien rageux. Je vous pardonne. Vous voilà, que vous me plantiez là comme ça passe encore en mai, vous auriez pu payer les verres. Non. Mais en tout cas, j'ai pu surprendre une conversation. 2 types suspects discutaient. L'un des deux a dit que Godfred était au quai numéro 7 et que l'explosion n'était plus qu'une question de minutes. Les quais, bien sûr, il leur faut un bateau pour aller installer la bombe. Ah, j'ai raison, j'ai raison. Après vous, très chère Ophélia. Merci. Aux chutes du Niagara, ne traînez pas en route. Hey, la prochaine fois que vous vous déguisez en cheval, prévoyez une selle pour moi, ce serait gentil. D'accord, j'y penserai. Voilà, quai numéro 7. Et c'est le seul bateau à Marie. Il faut s'introduire à bord. Très bien. Le seul problème, c'est comment tromper la surveillance de ce gorille. Et quelqu'un arrive. Voyons comment il s'y prend. Reviens réparer la chaudière. Vous pouvez y aller. Vous avez entendu, Morte? On se fait passer pour des mécanos. Il nous laissera passer. Allez, Morte, trouvez quelque chose. On vient pour réparer le grand mât. Et moi, je vais vous y pendre au grand mât. On est là pour réparer le grand mât. Bravo sur un bateau à moteur. Désolé, c'était le seul terme nautique que je connaissais. Hé, attendez, j'ai une idée. Pourquoi suis-je d'emblée sûr qu'elle sera mauvaise? On pourrait entrer par ce hublot. Vous n'avez qu'à grimper sur mon dos. Dépêchez-vous, bon, je ne tiendrai pas longtemps. Cette soupe sent le poisson pourri. Oh, mais quoi, tu crois que je l'ai faite? Oh non, ça suffit. J'étais sûr qu'un truc comme ça m'arriverait avant la fin de l'histoire. Arrêtez de vous plaindre, vous dégoulinez sur mon meilleur costume. Ça fait à peine 12 ans que je l'ai. Arrêtez, vous me chatouillez, chef. Vous me chatouillez. Vous savez que je suis chatouilleux. Je vais vous en donner des chatouilles. Barrez à prendre la mer, capitaine. C'est bon, on y est. Levez l'ancre et dégagez la passerelle. Dépêchez-vous. Bien essayé, chef, mais ça n'a pas marché. Il n'a même pas eu d'égratignure. D'une façon ou d'une autre, il faut grimper sur ce navire. Mais si, c'est une bonne idée. Vous êtes sûr? Vous n'avez qu'à grimper le long bon, de cette chaîne. Je crois que ça marche. Vous êtes en train de grimper. Normalement, c'est avec les mains qu'on s'accroche. Non. Le bateau appareil. Tout n'est pas perdu. Prenons ce bateau-ci. Où ça? Allez, dépêchez-vous. Je vous pousse à l'eau et ensuite je sauterai à bord. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Je sais que vous aimez l'eau, mais le bateau serait plus rapide. Oh non, leur navire s'en va, c'est pas on l'a perdu. Chef, j'ai encore une idée. Dans mon village, j'étais champion du lancer de cochon. On n'avait pas de javelot. Allez, c'est parti. À la une, à la deux, à la trois. Et le voilà qui s'envole droit vers le pont. Oh non, il est trop haut, il va atterrir dans l'arbre.
Hé, le champion, vous avez intérêt à me rejoindre et fis ça parce que moi, mon sport favori, c'est la boxe. Pas de problème, j'ai mon déguisement de poisson. Hop, hop, hop. Mais ça fait un moment qu'on est en mer et aucun signe de la statue. Chef, où est-ce qu'ils s'en vont tous? Mais ces gars-là, ils ont l'air d'être drôlement pressés. C'est le capitaine et l'équipage. Je sais, mais pourquoi est-ce qu'ils quittent le navire? Attention à tous les navires, je répète, attention, ne vous approchez pas du Godfred. Pour cause d'importantes avaries, il doit être coulé. Une bombe à retardement est à bord. Le Godfred, le même nom que le type qu'on recherche. Explosion dans 20 secondes. Vous avez entendu, Mort? Plus que 20 secondes. Ensuite, il explose. Oh, qu'est-ce qu'il y a, chef? On est sur le Godfred, oui. Celui qui va exploser. Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Une éruption volcanique? Passez-moi, j'ai pensé que quelques coups délicats contre le mur vous réveilleraient. Quelques coups délicats, vous avez dit. Bon, attendez voir, bougez pas. Notez que je fais ça avec beaucoup de délicatesse. Non, calmez-vous. Réveillez-vous, abruti. Bonjour, chef, déjà debout? Bizarre, je n'ai rien entendu. D'ordinaire, j'ai le sommeil si léger que le moindre bruit me réveille. Allez, allez, on y va. Nous allons prendre un bateau direction la statue. Et cette fois, je vous le demande, pas de gaffe. Si vous nous accompagnez, il va falloir vous trouver une bouée à votre taille. Je pense qu'une chambre à air de tracteur serait l'affaire. Je pourrais ravaler ces paroles. Oh, arrêtez de vous disputer. Je crois que voilà le bateau qu'il nous faut. Ah, il faut que j'installe ça dans la tête de la statue. Raté, on va devoir attendre le suivant. Regardez ce qu'il transporte. Le type là, il a des bâtons de dynamite sous le bras. Il va les installer dans la tête de la statue. Elle a raison. Venez, on doit pouvoir louer un bateau. Voyons, j'ai un 12 mètres moteur diesel, 3000 chevaux, $100 de l'heure. Non, c'est bien trop cher. Bon, alors un 6 mètres. Non, ça ne va pas, vous avez sûrement moins cher. Il faudrait se dépêcher, l'heure tourne, chef. Une vedette pour $30 de l'heure, un hors-bord $15. Bon, allez, combien vous voulez mettre? Je suis prêt à dépenser ce billet $1 si vous me rendez la monnaie. Pourquoi est-ce qu'il m'a tapé dessus? En tout cas, on a réussi à se débarrasser d'Ophélia. Pas assez de place pour elle. Ah, fermez-la, contentez-vous de ramer. Est-ce que vous avez déjà vu un bateau avec des ailes? Ça n'existe pas, abruti. Ah bon? Dans ce cas, ça, c'est quoi? C'est pas un bateau, c'est pas un avion, mais ça se dirige sur nous. Ouf, ce n'est pas passé loin. Ça ne va pas, chef. Je ne vous comprendrai jamais si vous parlez la bouche pleine. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Je n'ai rien fait. Non. Oh, je vois. Monsieur n'aime pas qu'on critique ses manières. Je ne voudrais pas dire. Mais nous coulons, chef. Bien, nous coulons. Parfait, je garde les pieds au sec. Il faut voir le bon côté des choses. Terre. Merci bien. Ah non, regardez-moi tous ces gens qui font la queue. Le temps que l'on arrive, la dynamite sera déjà installée. Mais j'ai une idée qui pourrait nous faire gagner du temps. Encore une idée de cinglé. Comment voulez-vous éviter de faire la queue? Il faut me faire confiance, chef. C'est une idée excellente. Un panneau d'affichage et tout est réglé. Réglé? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je vous attache les pieds et les mains. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je ne vais pas apprécier. Et c'est parti! Oh! Non, le vent est tombé! Mais chef, inutile de redescendre! Attendez là-haut que le vent se remette à souffler! Merci pour avoir amorti la chute! Chef! Bon, d'accord, mais je ne vois pas comment ça nous fera entrer dans la statue. Vous verrez. Vous voyez, chef? C'était pas plus compliqué que ça! À votre place, mon gars, je lâcherais ce bâton de dynamite! Dynamite? Mais non, ce ne sont que des rideaux! Là, tenez! Et vous voyez, on installe ça parce que les gens se plaignent d'avoir le soleil dans les yeux! Le courrier! Monsieur, elle nous envoie nos frais de mission! Il était temps! Le patron de l'hôtel ne voulait pas nous laisser partir tant que la note n'était pas payée! Il envoie $1 million! Quoi? $1 million? Non, chef! Bon, alors des francs suisses, on ne serait pas obligé de les déclarer aux impôts? Non, tout ce qu'ils nous envoient, c'est $1 million de remerciements. Ils nous envoient $1 million de remerciements? Apparemment, les fonds de l'organisation sont en baisse. Alors ils nous envoient ces remerciements et nous demandent de rentrer illico. Mais il ne nous reste que $2. Je vais voir qui c'est. Salut les garçons, j'ai besoin d'argent, je suis à sec. C'est la baleine. Oh, suffit avec ça. Fermez-la vous deux, il faut y aller.
Le portier ne laissera sortir aucun d'entre nous tant qu'on n'aura pas payé. Faites-moi confiance, je vais arranger ça. Puis-je vous dire un mot? Incroyable, vous l'avez hypnotisé ou quoi? Hey, non, je lui ai dit que c'était la grosse qui payait. Ouais, et je connaissais la boîte à sardines. J'ai un ami à bord, il nous trouvera une place. Peut-être, mais on n'arrivera jamais au QG en bateau. Le bateau accoste à côté d'une succursale de l'organisation. On se fera ramener et en plus là, on voyagera gratis. Vous pourrez remercier votre ami, c'est pas tous les jours qu'on voyage dans de telles conditions. On a fouillé New York de fond en comble, mais on n'a pas trouvé trace d'une organisation terroriste. Bien, mais où est cette chère Ophélia? Elle a voulu rester pour perdre du poids en grimpant les escaliers de la statue à longueur de journée. C'est exact. Et... Attendez un peu, vous deux. Mademoiselle Ophélia, vous n'étiez pas en cure d'amaigrissement? J'ai dû passer la serpillière 14 fois dans les 80 étages de l'hôtel pour payer la note. Et comme ça ne suffisait pas, il a fallu que je mette en gage mes bijoux et ma perruque. Bon, ça suffit, arrêtez de vous comporter comme des idiots. New York semble avoir une drôle d'influence sur vous. Pourtant, c'est une ville civilisée. Je crois que ce qu'il vous faut, c'est un grand bol d'air frais. Bien, Godfred m'a dit qu'il avait placé les charges dans la statue. Attendez, chef. Je veux l'avoir volé en lui. Et moi aussi. C'était eux, patron. Vous les avez bien entendu dire que Godfred allait faire sauter la statue. Cette fois, on ne va pas les laisser filer comme ça. Allez, Morty, il nous faut trouver une voiture. Et c'est parti, chef. Je crois qu'on arrive. Ça n'a pas grand-chose à voir avec New York. Au nom de la loi, je vous somme d'arrêter. Alors comme ça, on veut faire sauter la statue? C'est que j'ai pas le choix. Elle est juste devant ma porte et elle est trop lourde pour la déplacer. Vous parlez de ce truc hideux, là? Oui, et qu'est-ce que vous croyez? C'est notre statue, la liberté, œuvre de la femme du maire. Mais comme chez elle, ça n'allait pas avec le style de ses jardins, elle l'a fait installer ici et ça bloque l'entrée de chez moi. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Vous virez au violet, chef, c'est mauvais signe. Voilà le feu d'artifice. Non, je vous en prie, chef, tout le monde peut se tromper. Ça arrive depuis d'aller dans le yaourt, mais je vais tout faire pour me remettre en scène. C'est juste que je suis un peu à plat, j'ai comme un coup de bon.